Allez, on y croit. Ok, 26% en plus. Enfin, c'est vrai que le moins 3 en bataille, là, il fait mal, hein. Mais bon. C'est quand ils vont revenir que je vais pas aimer, quoi. Après, quand j'aurai mes régiments complets, que je pourrai les tenir en économie, etc. Ouais, ça pourra faire. Là, ça fera 800. Ouais, ça ferait quasiment. Allez, on va dire 700, enfin 600 hommes plus les catapultes. Enfin, 6000 hommes plus les catapultes, on serait pas mal, quoi, c'est vrai. À tout prix, vendre des titres, c'est non. Mais là, déjà, si on peut aller prendre Zawila derrière. 50 jours. Allez, pour le 23 mai, faut prier. Ouh, la perte de nourriture, ça fait du bien, ça. C'est bon, ils sont en train de revenir ici. Donc on va pouvoir aller se battre contre eux. Ils vont aller sur Gat. On va pouvoir leur tendre un piège en passant par le désert. Ça sera notre première victoire quand même contre les orthodoxes, ce qui me fait plutôt plaisir. 7%. Allez, on va prendre un petit 90%. Si on se bat bien et qu'on regagne 10% de score de guerre, là, on va se faire. On va se faire du pognon, hein. Ok, 100% de score de guerre. Et normalement, on se fait. Ah, 329! Ouais, tout à l'heure, on devait se faire 800 pièces! Oh, c'est dégueulasse! Ah, c'est de l'arnaque, ça, madame. Madame le juge, là! Oula, qu'est-ce qu'il fait là-haut, elle? Qu'est-ce que. Pourquoi t'es là-haut? C'est pas de la bonne culture, ça, là-haut, ça, madame. Des cultures à Oussa, c'est bien, mais Ok, bon. On a quand même fait un peu de pognon. Donc on va attaquer le Ghana, qui a pas d'alliés. On veut ma revendication, hein, de toute façon. D'abord, avant toute chose, avant de faire ça, on va Je peux pas faire ça, pourquoi? Ah. Je peux pas, j'ai piscine semble-t-il, donc déclarer la guerre. Il a quoi en armée lui? Il a 4000 hommes. Il faudrait 8000, on serait pas mal. Et je suis enceinte, parfait. Faut augmenter mes territoires aussi, ça serait bien. Est-ce que j'ai du territoire à augmenter qui serait intéressant là? Passer de ça à ça.
Croissance de développement, ouais, c'est pas mal ça, la croissance de développement, j'aime beaucoup. Ça permet que le développement gagne sur le territoire. Ok, 4 mois. Déjà, on a commencé à faire des brèches. Ça fait mal de se dire que certains sont tellement mauvais, quoi, en fait. Ça pique un peu, hein. Même en intendance, Sarkin, ça va lui faire plaisir, mais. Oula, attendez, 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 attendez. Pourquoi il y a lui qui s'est créé là? Pourquoi j'ai un bobo qui est roi chez moi là? Alors je gère mes vassaux encore. Allez, donne le pognon, toi. Ça va être important, je pense. Que toi. Moins 13, d'accord. Moins 39. T'as 43 ans. Ah non, mais non! J'ai perdu un en diplomatie, mais bon. Allez, on refait un peu de pognon. Ah, une fille mort-née. Poussez une dernière fois, madame. Le bébé est presque là. Un cri s'échappe de ma bouche alors que je me penche pour la dernière fois. La douleur est partout, écrasante, et puis c'est fini. Je l'ai fait. La Sacha ne me répond pas, ne regarde même pas. Non, elle a Dieu que pour le bébé immobile dans ses bras. Je crois que le trop de stress a tué le bébé. Héritière de l'Empire Borno. Ah ouais, c'est ça, il y a bien un partage des titres. Par contre, à savoir, est-ce qu'on déshérite cet enfant? J'ai tendance à dire oui. Et on va lui assigner un tuteur. Je sais, c'est dur, mais bon, que voulez-vous? Je veux pas plusieurs héritiers sur un même titre. Ok. Allez, on est en position pour le combat.
On va leur taper dessus. Elle donne naissance à plein de garçons, ce qui ferait plein de guerriers. Ouais, dommage. Ah! Mais j'en ai marre de mourir là, enfin de trouver du mort, c'est pas ce que je veux moi. On est à 77%, on va les prendre là. Oula, mais j'ai pas vu, mais c'est qu'on s'amuse. Enfin, le temps passe vite quand on s'amuse là, parce que vive la communion mystique, ça on va partir, oui. Mais ça fait déjà 4 heures de live, j'ai même pas fait attention à ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de live pour vous. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi, j'ai de plaisir à jouer et à streamer. Bon, on va faire une petite demi-heure de plus parce que de toute façon, j'ai pendant un temps. Ça, c'est quoi? C'est un membre de la famille, ça, non? Parce que pendant un moment, tout simplement, j'étais au téléphone donc pas de. Il n'y avait pas de live. Enfin, il y avait le live, mais j'étais pas forcément très actif. Ah, je peux vassaliser cet homme-là. Parfait, 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 parfait. Proposer, transférer le vassal. Ça, c'est un vassal de qui, d'accord? Ok, ça c'est pas trop mal. Là, normalement, en prenant ce territoire-là, ça sera parfait. Toi, t'es en guerre. T'es en guerre contre qui? Ah, il y a du mal, hein, pour prendre cette attaque-là. Pour prendre Sikasso, il va falloir que j'attaque lui, pour l'affaiblir. De toute façon, ce sera une guerre sainte, ce sera pas le plus difficile. Ok, on va appuyer les revendications. Bon, ah, j'ai même pas de. Oh purée, mais j'ai même pas de médecin de la cour là. C'est monstrueux. J'ai pas géré du tout mon territoire. Boriaoussa. Ah, toi t'es grec copte. Bah toi tu vas déjà te faire exécuter. Parfait. Par contre, ça fait partie du Ghana. Ok. Donc toi, je vais t'accorder un titre. Voilà, félicitations. Parfait. Toi. Tu as un allié, cet allié c'est qui? Comté de Zarma. Oui, c'est pas un allié quoi, c'est un vassal à moi. C'est pas vraiment un de tes alliés. Donc toi, déclarer la guerre
Guerre pour un duché. On va changer de duché. On va prendre le duché non, de Bobo. J'avais pas des possibilités de lever des troupes là dans le coin ou... Ok, il a 5000 troupes, on va enlever 8000. Il me fallait 300 balles pour Rano. On va augmenter ce qu'on peut augmenter. Et à un moment, il va falloir qu'on choisisse, je pense, d'améliorer la capitale, etc. Les territoires de la capitale pour gagner plus. Pas de soucis, Alan. Ils sont tous bons en assassinat et trucs comme ça, mais alors quand on leur demande d'être efficaces ailleurs, y a vraiment plus personne en fait. Si on pouvait le capturer cette bataille-là, eh ben suffisait de le demander. Voilà. Alors, ça fait partie de quel de... Ouais, ok. Donc toi, je vais t'accorder un titre, je vais t'accorder celui-ci, je vais te transférer un vassal. Voilà. C'est parfait. Une petite guerre. Et là, par contre, on a bien progressé, hein. 1, 2, 3 comtés pris ici. On a pris les comtés là. Toi, par contre, t'as encore des alliés. Le comté de Bono. D'accord. Et le comté de machin. Ok. Ouais, tu vas prendre tarif, hein. Pas de raison que tu t'en sortes mieux que les autres, hein. Allez, on y va. Ça, c'est quoi ça? Culture Yoruba. T'es Yoruba toi? Si t'es Yoruba? T'es Bobo? Oh purée, je vais finir par mourir moi avec Est-ce que j'ai besoin d'un truc de commerce en plus? Parce que rogner sur les coûts, ça serait pratique. Clairement. Sauf que. On va partir là-dessus, je pense, dans un premier temps. Pour essayer peut-être véritable souverain et. Peut-être aller jusque-là au moins. Auguste serait sympa aussi, mais on va déjà faire ça. Je pense qu'on va voilà. Voilà. Baisser le niveau de stress parce que sinon on va pas être très très bien très très longtemps, hein. La santé est bonne, mais
Peut-être pas abuser des bonnes choses. Hein. Et j'aimerais bien perdre ce trait timide. Mais je pense que pour ça, il faut que je devienne. Que je fasse plus de. Terminer de compter, d'accord. Conversion. Non, on va faire d'abord une revendication avant toute chose. Revendication sur T-Sheet, peut-être. Et il va falloir qu'on fasse une revendication sur le Mali, qu'on commence à tabasser le Mali. Parce que ça va devenir important. Et après, il va falloir qu'on se retourne de ce côté-ci et qu'on regarde ce qu'on peut vassaliser, ce qu'on peut attaquer. Parce que là, on a Bertha qui peut être pris. Il faut qu'on aille vers Adjuran, de toute façon. Il faut qu'on on attaque l'empire d'Adjuran. Ne serait-ce que pour bloquer un petit peu Saladin, qui a 40 000 troupes quand même, et qui a la possibilité de faire un djihad. Il va falloir qu'on tape des gens. Et maintenant, ça va là-haut, ça va être les guerres les plus difficiles maintenant, je pense. Promouvoir la culture. Non, tu n'as pas fini de promouvoir la culture. Promouvoir la culture, on va faire ici parce que si j'ai un roi qui n'est pas de la bonne culture, ça sera toujours un problème. Et là, on s'en est mis un peu plein les poches, ce qui est parfait. Et normalement, on devrait pouvoir faire bientôt la fête, hein. On devrait bientôt pouvoir se faire la fête. Toi, tu es quoi? Vassalité, c'est moins 15. Toi, c'est moins 17. Compliqué. Compliqué, compliqué. Je peux pas faire mieux. Hein. Les Kong. Kong, c'est quoi? Un musulman au milieu de tout ça? Si je fais ça, ça fait quoi? Est-ce qu'elle est sur deux duchés, cette personne? Ah, mais elle peut lever normalement. Elle doit pouvoir lever normalement les ordres saints. Alors attendez, je vais regarder où sont mes trucs parce que sinon. Je vais voir. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais, bah lui, il sert à rien ici. On va le déplacer. Ah, j'en ai un là, j'en ai un là et j'en ai un là. Ok. Bon, bah ça, c'est pas utile en fait. Ok. Tac tac tac. Ah ouais, bah enfin celui-là. Non. J'en ai un là, un là, un là, un là, un là, un là. Ok. Donc il m'en faudrait un. J'en ai un par ici. Celui-là, d'accord. Celui-là, d'accord. Celui-là, d'accord. Ah mais oui, mais d'accord. Ok, je vois. C'est
C'est que là, c'est siégé en fait. C'est pour ça que je peux pas. Par contre, on a de l'argent. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de monter déjà ça? On va attendre de pouvoir tout monter au moins. Ouais, ça déjà, faut qu'on le monte, hein. Je peux pas me permettre de laisser une armée comme ça aussi basse. Ah bon, on essaye, hein, on fait ce qu'on peut, hein. On n'est pas invité à des... On n'est déjà pas invité pour des repas ou quoi que ce soit, alors mince, quoi. Et à un moment, on fait des efforts, quoi, mais... Les vassaux en font pas non plus, alors... hein. Bon, par contre, toi, c'est sûr que tu vas te faire taper, hein. Elle a 6000 troupes. Ah, j'ai glissé chef, j'ai levé 14 000 troupes. Je pense que c'est un peu beaucoup. Faudrait que je regarde aussi si certains accepteraient de se convertir. On a quand même voilà, celui-ci qui exige la conversion. Ouais. Ah ouais, quand même, il m'a mis dans les dettes lui, d'accord. Ah oui, bah si, pas grave. On s'en sortira. On devrait s'en sortir. Allez, ou purée. Excusez-moi. Je crois que j'ai cru voir la levée d'un ordre sacré juste sous mes yeux là. Je suis pas sûr, mais je crois, hein.
Oh, les vassaux qui aident, ça c'est cool, merci. J'ai une paix contre lui ou pas? Ah d'accord. J'ai une paix contre lui, mais pas contre... Ah bah oui, je suis en dette, oui. Excusez-moi. Excusez-moi du peu. Il y avait des musulmans dans le coin, mais on aura tout vu. Ok. Ah oui, bah ça c'est l'avantage d'avoir un très haut niveau de d'intendance. Ça aide pas mal, ouais. Après, bon, je me suis mis dans le tas tout seul, mais ça c'est pas. Enfin, c'est pas très glorieux. On arrive à tenir. Après, on est quand même à 19 000 troupes maintenant. Je pense qu'il y a moyen qu'on tienne bien quand même, hein. On va remettre Rano sur le droit chemin. Normalement, là, on devrait être en positif ce mois-ci. Voilà, c'est bon. Dans 50 jours, il aura fini. On ira sur Katsina aussi. On n'est pas trop mal, hein. Il y a Kaduna à remonter. 13, 12. On est à 17 sur la capitale. C'est pas très haut, hein. Mais bon, si on prend l'Empire, comparons ce qui n'est pas comparable, bien sûr. 53 de développement, ouais, 57, forcément qu'on est, on est super bas, quoi. On est aux fraises. Mais bon, on est dans le désert, donc et j'ai besoin de convertir pour que mes vassaux soient calmes, quoi. Donc c'est ça qui est difficile. Duché de Tagante. Est-ce que ça serait intéressant d'avoir tout le duché de Tagante? Parce que j'ai déjà le duché de Tagante, donc juste sur Tichit, ça sera très bien. Ah oui, je me suis remis un peu au tas, ok. Ouais, bah oui, forcément. Administration médiocre. Juste au moment où il faut pas. Tant pis. On va partir sur la capitale. Une revendication qu'on va faire sur Siby. Et on va se garder un peu d'argent. Ça c'est dommage, hein, parce que il aurait pu garder Rano tranquille, mais non. On a foutu. Il faut pas. Sur Kano là. Pff, moins 25, ça fait mal. On aura la capacité de présenter. Moins 17, ça fait mal, hein. Moins 17, il m'embête franchement. Mais bon, on va pouvoir s'en débrouiller, je pense. Amnistier les faux convertis. Est-ce que ça a un intérêt d'amnistier les faux convertis? Ça a aucun intérêt. Je vois pas l'intérêt.
Mais bon. Par contre, toi, t'es où, toi, duché de Darfour? Il n'était pas de la bonne religion. Je comprends pas. C'est un geeké. Stratège, guerrier sans. Bon. C'est pas très grave. L'argent revient. Mais je pense que. Je sais pas si. Soit j'intéresse pas l'Empire byzantin. Parce que normalement, il aurait pu m'attaquer. Il aurait pu m'attaquer un nombre de fois incalculable, quoi. Mais il le fait pas. Ce qui m'arrange, hein, clairement, mais. Par contre, toi. C'est compliqué. Le terme serait plus exact, c'est compliqué. Toi, je pourrais te déclarer la guerre pour te péter la gueule, hein. Et ça serait la dernière guerre de ce soir. Guerre sainte pour le comté, j'ai pas besoin de plus. Ouais, par contre, là, il faudra 10 000 hommes, hein. Non, tu bouges pas de là, toi. Des chameaux dans la forêt, on aura tout vu. Les chameaux ont rien à faire dans la forêt. Fuis, camel! Les chameaux au désert, où on vous bottera le derrière. Ça c'est bon. Puissance de complot, main de fer, prestige mensuel par redoutabilité. Ah. Ça, je prends, par contre. Je vois pas l'intérêt de prendre 10 pièces là-dessus alors que j'en ai pas besoin de ces 10 pièces-là. On doit garder de l'argent parce qu'on est en train de faire une revendication et que c'est en cours, donc je vais pas poser de problème là-dessus. Qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu... Ah bah d'accord, tu vas te prendre une tête par tes voisins. Je suis à moins 8 quoi! Elle est intimidée par moi. Ma petite héritière quand même. Elle va faire mal, hein, je pense. Elle va faire du bon truc, quoi. Attends, avant que tu partes, on va te rançonner. On peut rien rançonner?
Non, on peut rien rançonner. Bon bah. Ça fait partie de quel duché? Du duché de Kong? Quel royaume? Royaume de Kong. Accorder un titre. Tiens, allez, récupère ça. C'est un plaisir. Voilà, vous ferez la guerre comme ça. Ensuite, est-ce qu'on n'aurait pas... Tac, 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 non, il n'y a rien. À la rigueur, toi, tu as le droit d'être exécuté, et toi aussi, parce que vous n'êtes pas de la bonne religion. Merci, au revoir. Donc, toi... Moins 19. Okay. Moins 9. Je pense qu'on peut aller jusqu'à moins 8, mais on n'ira pas mieux. Différence entre votre puissance militaire que plus 17. Ça, c'est con. Ça fait chier, ça. Ok. Juste, ça, c'est très très bon, ça. Par contre, toi, est-ce que je suis en paix avec toi ou pas? Je suis pas en paix avec toi. Ah, est-ce que c'est raisonnable de faire une dernière guerre? Ouais, c'est toujours raisonnable. Ta 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 ta. Bon, au moins on aura nettoyé les frontières, quoi. Clairement, on pourra pas dire que on n'aura pas fait de guerre sur ce live-là, parce qu'on aura joué quoi au final. On aura joué le règne de cette personne-là. Donc si on prend historique du titre. Il a été hérité le 21 octobre 1152. Et on a fait durer... Elle a commencé, elle avait 70 ans, je crois, la grand-mère. Donc en soi... Ah, il n'y a pas... On a joué à peine 40 ans, là. Hein, et on a pris énormément de territoire. Nommer une province Cassa en hommage à une reine malienne. Oui, bon, on le gardera. Il n'y a pas de souci. 2 mois pour 13 mois. Ouais, bah c'est bon, on a gagné quoi. Qu'est-ce qui se passe en Katsuna, Katsina? -78 -2 d'opinion populaire. Hola, 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 hola. Ça va augmenter tout seul, mais... Mon mari amène avec empressement une femme devant moi. Madame, permettez-moi de vous présenter Corto, prétendante au comté de Bégo. C'est un honneur. Malheureusement, Bégo restera probablement emporté sans un bénéficiaire de mon côté. C'est où ça? Est-ce qu'elle est intéressante? Oui, on peut. On peut. Il n'y a pas de super grand intérêt, mais on peut.
Bah, si possible, une des provinces que je possède. De toute façon. Après, si tu veux le mettre pour... Comment dire? Si tu veux le mettre pour... Une héritière, on peut aussi, hein. Pour le coup, c'est à toi de décider. Parce qu'après les provinces, on a Katsina, on a Zarya, Kaduna, Rano, Kano. Et bon, on va garder Dora pour Dora, mais si tu veux renommer une province, il n'y a pas de souci. Normalement, je dois pouvoir le faire. Oui, je dois pouvoir le faire, donc c'est pas de souci. Donc à toi de choisir. Donc c'est à toi de donner ton avis. Je vais changer les maisons tour parce que ça m'intéresse pas ça. Ça m'intéresse pas du tout ça. Ça m'intéresse pas ça. Agriculture du désert. Résistance de la cavalerie légère. C'est bien ça. Agriculture du désert, ça a l'air d'être pas mal. Et ça, c'est pas mal non plus. On remplace Kano, d'accord. Donc Kano devient Kassa. Kassa. Ok, Kassa. Et ça fait Kassa. Kassa. Cassant. Ok. On renomme. C'est fait. Très bien. Le comté de Cassa. Très bien. Et c'est fait. Et on va donc s'arrêter là-dessus pour ce soir. On a enfin nettoyé les différents problèmes. Alors ça va remonter tranquillement. Pour le moment, on a fait quand même pas mal de choses hein, sur ce live. On a vassalisé cet homme-là. On a pris le duché ici. On a fait la guerre pour le duché de ce côté-ci. Ce qui est pas mal. Plusieurs fois la guerre au Ghana. On a pris le duché de ce côté-ci. Et plein de comtés. On a nettoyé la frontière de ce côté-ci. Donc clairement. Là, il y a eu de l'expansion agressive, hein, franchement. Et on a monté notre armée. On est passé à peu près de 16 000 hommes à 20 000 hommes d'armée. Ce qui est plutôt pas mal. Terrain de chasse, or levé, boost, cavalerie légère. Sur. C'était ici. Tu me disais, terrain de chasse? Ah oui, bien, bien mieux, oui, en effet. Terrain de chasse, c'est bien mieux. Mais est-ce qu'on a des terrains de chasse de partout? Parce que, enfin, personnellement, les maisons tours, je vois pas l'intérêt, en fait. On va les remplacer par des terrains de chasse. L'agriculture du désert, ça a l'air d'être pas mal, mais ça a l'air d'être l'équivalent de terre à pâturage. Sauf qu'on est sur la cavalerie légère et cavalerie lourde. Ouais, on va faire ça. Je vais enlever les tours là. Elles me plaisent pas du tout, les maisons tours. Je pense que on va les remplacer.
On va faire du terrain de chasse. Et puis comme ça, on boostera notre cavalerie un maximum. Et à partir de là, on devrait être pas mal. Voilà. Donc voilà, on s'arrête là pour ce soir. Franchement, je pense qu'on aura fait, on aura fait du bon taf. On aura fait du bon taf. L'économie est florissante. On a vu qu'en levant les trois quarts de l'armée, on arrive à gagner encore de l'argent. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est même une très très bonne chose. Alors bien sûr, ça va nous forcer de toujours avoir l'éducation en intendance, parce que et avoir un haut niveau d'intendance. Mais après, si on a des génies à chaque fois. Voilà, ça donne quand même déjà un niveau de d'intendance qui est assez haut, qui est plutôt pas mal. On a eu quand même des nouvelles maisons qui se sont créées, branches cadettes. Bon, elles n'ont pas forcément beaucoup de membres vivants. Certaines se sont éteintes, hein. Dorahu, par exemple. Naba, il reste plus qu'une personne. Et c'est un vieil homme qui n'est pas. Si, qui est marié, qui a des. Non, elle n'est pas enceinte. Donc ok. Il reste pas grand chose, hein. Il y a quelques voilà, quelques maisons qui ont été éteintes, mais on progresse. On a bientôt, enfin 2700 points bientôt. Bon, des choses qui pourraient être intéressantes, donc voilà. Allez, sur ce, on s'arrête là véritablement. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve donc très prochainement pour un prochain live. D'ici là, portez-vous bien. Salut!